Mesdames les doyens, les présidents de l'université, messieurs les présidents du comité d'organisation, chers amis, amis Remadi, le docteur Remadi, qui m'a persécuté jusqu'à Lyon, je viens, je suis très très heureux, je suis très très heureux et très heureux, sincèrement, d'être ici, d'avoir en Tunisie, pays qui, de liberté et de démocratie, qui donne l'exemple au peuple du monde, ensuite dans une faculté prestigieuse qui a l'histoire qu'on vient dire, et l'honneur qui me fait de parler d'un sujet, ça m'a d'abord étonné, je ne suis pas un grand médecin, pas de médecin du tout, je suis un petit sociologue, et je vais parler de l'ordre cannibal du monde, le massacre quotidien de la faim, où est l'espoir? Ça, c'est le titre de cette intitulé. Et le comité d'organisation, monsieur le président, a eu l'idée de justement me donner la parole. Il m'a dit maximum 25 minutes, donc il ne me recalait jamais chamant d'ailleurs. Ben, j'ai la montre là, très attention. D'un sujet qui est un sujet qui ne peut pas concerner la Tunisie. On peut se dire, enfin, Hitler, qu'est-ce qui... Vous parlez de la faim, du massacre de la faim dans le monde, dans une ville comme Sousse, somptueuse, prestigieuse, marquée par la justice sociale, par le bien-être de ses habitants. Eh bien, il y a Immanuel Kant, le grand philosophe du 18e, des Lumières allemandes, qui a dit « L'inhumanité infligé à un autre, détruit l'humanité en moi. » Ou Kafka, Franz Kafka, dit dans un passage mystérieux de ce journal, « Loin qui est la mort par famine, la destruction par sous-alimentation, la faim et toutes les maladies effroyables qui s'en suivent et qui éliminent de la planète des milliers, des centaines de milliers, je donne les chiffres tout à l'heure, des centaines de milliers de personnes chaque année. Vous savez que l'humanité perd à peu près 1% de sa substance tous les ans. Nous sommes 7,3 milliards d'êtres humains sur Terre. Ça fait un peu plus de 70 millions qui quittent la planète tous les ans, toutes les causes de mortalité confondues. L'année dernière, des 62 millions de personnes qui ont quitté cette planète, 14,1 millions ont été victimes de la faim ou de ses suites immédiates. Autrement dit, sur une planète qui aujourd'hui régorge, déborde de richesses, la faim reste, et ses suites, la faim reste, telle que très loin, la cause de destruction humaine sur cette planète. Je vais lire rapidement la définition du droit à l'alimentation telle qu'elle est donnée par les Nations Unies. Le droit à l'alimentation est le droit d'avoir un accès régulier, permanent et libre, soit directement, soit en moyen d'achat monétaire, à une nourriture qualitativement et quantitativement adéquate et suffisante, correspondant aux traditions culturelles du peuple dont est issu le consommateur, et qui assure une vie psychique et physique, individuelle et collective, libre d'angoisse, satisfaisante et digne. Parmi les 30 droits de l'homme, de la Déclaration universelle du 10 décembre 1948. Parmi les 30 droits de l'homme, c'est le droit de l'homme, le droit à l'alimentation, qui est certainement le plus brutalement, le plus cyniquement et d'une façon le plus violente, violé quotidiennement sur cette planète. Vous connaissez les chiffres, c'est la FAO qui les donne dans le World Food Report tous les mois d'avril. L'année dernière, tous les 5 secondes, un enfant en dessous de 10 ans est mort de faim ou de ses suites immédiates. 1,2 milliard d'êtres humains sur les 7,3 que nous sommes ont été gravement et en permanence sous-alimentés, pas de vie sociale, sexuelle, familiale, de travail invalide, détruit par la sous-alimentation permanente et grave. Et la faim augmente. Le même World Food Report qui donne les chiffres des victimes, qui est contesté par personne, même pas par les hommes de caverne de chez Bush ou les néoconsommateurs américains. Par personne. Le même World Food Report dit que l'agriculture mondiale, dans l'étape actuelle,
de son devenir pourrait nourrir normalement 12 milliards d'êtres humains, c'est-à-dire presque le double de l'humanité. Pour la première fois dans l'histoire du monde, au début de ce millénaire, il n'a plus aucune fatalité. C'était le cas il y a 150, 100 ans, où la production agricole était insuffisante pour couvrir les besoins essentiels. Ce n'est plus le cas. Karl Marx est mort, vous savez, le 17 février 1883, jusqu'au dernier souffle. Il est mort paisiblement à 2 heures d'après-midi dans l'unique fauteuil de son appartement très très modeste, misérable, à Londres. Karl Marx était persuadé jusqu'au dernier souffle que le couple maudit, comme il disait, du maître et de l'esclave, luttant pour le peu de moyens, pour le peu de biens disponibles sur la planète pour couvrir les besoins irrépressibles, que ce couple maudit allait accompagner l'humanité pendant des siècles et des siècles encore. Toute sa théorie de la lutte des classes, du caractère épiphénoménal de l'État, de la division internationale du travail, est basée sur l'hypothèse du manque objectif. Ce manque objectif a disparu. Le problème n'est plus, à cause d'une formidable succession, depuis la mort de Marx, une formidable succession de révolutions technologiques, industrielles, électroniques, qui ont potentialisé les fortes productions de l'humanité formidablement. Je le répète, aujourd'hui, le problème n'est plus insuffisance de production agricole, le problème est insuffisance par manque de moyens financiers d'accès aux biens qui sont disponibles en abondance. Un enfant qui meurt de faim, maintenant où nous parlons, est assassiné. Les Nations Unies, c'est l'échec le plus total. Faites-nous 70e anniversaire cette année, en juin prochain, San Francisco, juin 45, le 70e anniversaire des Nations Unies. Les Nations Unies, en 2000, par une intuition formidable de Kofi Annan, qui a beaucoup, beaucoup de défauts, mais là, il était bon. Kofi Annan, en 2000, a convoqué les chefs d'État et de gouvernement au début du millénaire, septembre 2000, pour faire l'inventaire des principales tragédies qui frappent l'humanité et pour les éliminer. Et la tragédie numéro une était celle de la faim. Il a formulé 164 chefs d'État et de gouvernement sur les 194 que comptent les Nations Unies, tous les États du monde sauf le Vatican, mais là on n'a vraiment pas besoin, était là. Donc la communauté internationale était là et s'est engagée, plus de millénaire numéro un, d'éliminer dans les 15 ans à venir, donc jusqu'à maintenant, jusqu'à cette année, de réduire de moitié les victimes de la faim dans le monde. Échec total, l'inverse s'est produit et la faim a augmenté. C'est vrai que par pourcentage, si vous prenez la courbe démographique de 8,8% de pression mondiale, la courbe démographique, et vous la comparez avec la courbe des victimes, il y a un infléchissement, il y a un progrès, mais qui ne m'intéresse pas du tout, parce que le nombre des personnes en chiffre absolu augmente. Chaque enfant qui meurt de faim, c'est un univers qui meurt. Donc je récuse totalement cet argument des Nations Unies de la proportionnalité qui indiquerait un progrès. Nous sommes engagés, et Madame Yacoubi, pour moi elle reste formidable, elle est ici évidemment la très grande fondatrice doyenne de cette magnifique faculté. Pour moi elle reste la sous-directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé à Genève, 10 ans où elle a fait un travail tout à fait exceptionnel. Nous sommes malheureusement les pas là. Elle n'est plus là maintenant en poste à Genève. C'est un grand malheur pour ceux qui luttent contre la faim. Nous sommes justement engagés maintenant dans un combat précis pour mai prochain, où aura lieu la prochaine Assemblée mondiale de la santé, le Parlement de l'OMS, pour lutter pour que le NOMA, qui est cette
maladie effroyable de la faim qui détruit le visage des enfants, qui mange les tissus, qui crée des souffrances effroyables et qui pourrait éliminer par 2-3 euros par enfant et par maladie, antibiotiques au début des premières 3 semaines, si le monitoring est fait, si le dépistage est fait. Et nous voulions que l'OMS, évidemment, mette le NOMA sur la liste des maladies tropicales négligées. La bureaucratie refuse, madame la doyenne, hélas, n'est plus là, mais la Tunisie, dans le groupe, et là, ce que disait tout à l'heure monsieur le ministre, et son excellence, monsieur le ministre des Affaires étrangères, est tout à fait juste, ça je peux, par mon travail quotidien au Conseil des droits de l'homme, le vérifier. La Tunisie joue dans le groupe afro-africain, qui est le plus puissant des groupes d'États dans les organisations internationales, spécialisées des Nations Unies et à l'Assemblée Générale à New York, et donc aussi à l'Assemblée Générale de la Santé. La Tunisie joue un rôle de pionnier, d'avant-garde, formidablement éclairé, formidablement engagé, notamment maintenant où nous parlons, dans ce combat qui est mené par le groupe africain, les ambassadeurs africains, pour que le NOMA enfin soit considéré par l'OMS. Bien, on est confronté à un paradoxe. J'ai été pendant 8 ans le premier rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation. Le paradoxe est le suivant. L'agonie par la faim est la même partout. De Mongolie au bidonville de Sao Paulo, partout. D'abord, le corps utilise les réserves de graisse, de sucre, etc. Ensuite, c'est l'attaque l'infection du métabolisme, des voies respiratoires, ensuite la suite musculaire s'effondre, la suite immunitaire, et c'est la mort. Moi, je suis d'origine bourgeoise, suisse, calviniste, un peu banal. J'ai cru, comme pratiquement tous les Européens, je pense, que la mort par la faim était une mort douce. C'est comme une bougie qui perd sa consistance, et finalement, il s'éteint. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est la faim? C'est le manque de calories. Ça veut dire, en parlant, en marchant, en pensant, en discutant, vous dépensez de l'énergie humaine qui doit être revenir dans le corps par ce qu'on appelle les calories. C'est-à-dire qu'on mesure par la nourriture solide ou liquide. Et si ce transfert ne se fait pas, évidemment, c'est la destruction. Or, ce n'est pas du tout c'est pas du tout une bougie qui s'éteint doucement par manque d'apport d'énergie. C'est une des morts les plus effroyables, les plus douloureuses, les plus horribles qu'on peut voir. Univocité donc de la mort, mais équivocité quant aux mécanismes qui sont responsables, les mécanismes meurtriers qui sont responsables de ce massacre collectif quotidien qui se déroule dans une normalité tout à fait classique. Je n'ai pas le temps de les analyser tous, je vais les évoquer, ce qu'on dit en philosophie phénoménologique pensant, il y a des chaînes de causalité qui se croisent, d'autres qui sont parallèles, etc. J'évoque simplement rapidement quelques exemples des mécanismes meurtriers qui tuent par millions par an nos semblables. La première, bien sûr, c'est la spéculation boursière sur les aliments de base, le banditisme bancaire helvétique, entre autres, américaine, etc. Le banditisme bancaire a ruiné les bourses des marchés financiers 2008-2009. Les grands hedge funds, les grands spéculateurs, les grandes banques ont migré sur les bourses des matières premières, énergétiques et surtout alimentaires, et font, par exemple, sur les aliments de base, qui sont maïs, riz et blé, qui couvrent 75% de la consommation mondiale, sur les aliments de base, tout à fait régulièrement, tout à fait légalement, j'ai eu assez de procès sur le dos, je le répète, tout à fait régulièrement et légalement, des profits astronomiques. Et dans les bidonvilles du monde,
trouver 1 milliard, selon la Banque mondiale, 1 milliard d'hommes, de femmes et d'enfants, comme vous le savez, avec très très peu d'argent, c'est-à-dire où la mère, avec moins de 1,25 $ par jour, va assurer la survie de sa famille par l'achat, quand les prix mondiaux du riz, du vin, etc. éclatent, eh bien, la mère ne peut pas acheter suffisamment et des millions et des millions d'enfants supplémentaires meurent de sous-alimentation et de sous-nutrition. Donc, là, je ne vais pas vous ennuyer avec des chiffres, enfin, quand même, sur les derniers 5 ans, sur le World Food Index, 5 ans d'année de septembre 2014, le maïs a augmenté le marché mondial, du marché mondial de 31,8%, la tonne de riz vietnamien de 39,2% et la tonne de blé meunier a doublé en 5 ans. Autrement dit, la bourse est une machine d'assassiner. Elle pourrait être arrêtée demain matin par une simple intervention du Parlement au Palais Bourbon, à Londres, en Suisse, etc., en modifiant simplement la loi sur les bourses, interdisant la spéculation sur les aliments boursiers, sur les aliments de base. Ensuite, il y a le dumping agricole sur n'importe quel de l'Union européenne, qui est une hypocrisie absolue. Les commissaires de l'Union européenne, d'une part, à Dakar, Bamako, n'importe, à Niamey, selon les sessions, vous pouvez acheter des fruits, légumes, allemand, grec, espagnol, etc., etc., venant des 28 pays, où vous voulez, à moitié ou au tiers de prix du produit africain équivalent. Et quelques kilomètres plus loin, vous avez des paysans africains, Wolof, Toucouleur, etc., Papera, avec sa femme et ses enfants, sous un soleil brûlant, pendant 10 heures par jour, et qui n'a pas la moindre chance d'arriver à l'Union humanitaire. Et si des réfugiés de la faim essaient d'atteindre la frontière sud de l'Europe, on les rejette dans la mer. Donc l'hypocrisie des commissaires de Bruxelles est abyssale. Il y a bien sûr la dette extérieure des pays du tiers-monde, et je reviens rapidement sur le dumping agricole, des 54 pays africains contre le continent et ses îles, 37 sont des purs pays agricoles. Il a donc massacré par la politique du dumping. Il reste la dette extérieure, par exemple. C'est vrai que la productivité d'un hectare, si la Niger, ni criquet, ni sécheresse, au Niger, dans les 7 pays du Sahel, est très basse, 600-700 kilos de céréales par hectare. Qu'en Lombardie, qu'en Bretagne, qu'au Bas-Württemberg, c'est 10 000 kilos, c'est vrai. Il y a une différence de productivité formidable, mais simplement pas parce que le pays africain est moins compétent ou moins travailleur. Il y a peut-être aucun être au monde qui travaille plus qu'une femme paysanne africaine, mais simplement parce qu'il n'a pas d'irrigation, il n'a pas d'investissement d'irrigation, de semences sélectionnées, d'engrais, d'action au marché, d'infrastructures, etc. À cause de l'écrasement par la dette extérieure. Elle aussi pourrait être supprimée par une décision des créanciers, réduire au moins pour les 50 pays les plus pauvres. Là aussi, aucune quelconque fatalité. J'arrive dans la... Et malheureusement, analytiquement, je ne peux pas aller plus loin. Monsieur le Président Rexami, avec une montre de Swatch devant moi, c'est la montre suisse la meilleure marché. Alors que mon ami, le docteur Rémani, a une Rolex, sûrement. Je peux parler essentiel. Tous les mécanismes meurtriers qui détruisent des millions d'êtres par la faim, par la sous-nutrition sur une planète qui déborde de richesses sont faits de main d'homme et peuvent donc être brisés par l'homme. L'ordre cannibal du monde. Définition rapidement. Selon la Banque mondiale, l'année dernière, les 500 plus grandes sociétés transcontinentales privées, tout secteur confondu, de la banque jusqu'aux services, etc., dans l'industrie, les 500 plus grandes sociétés transcontinentales privées
pour contrôler 52,8% du produit mondial brut. Ça veut dire que toutes les capitaux, richesses, services, brevets produits en une année sur la planète. C'est très mince, oligarchie du capital financier globalisé à un pouvoir comme jamais un roi, jamais un pape, jamais un empereur n'a eu sur cette planète. Elles exercent, établissent une dictature globalisée, mondialisée, qui dicte sa loi aux États nationaux jusqu'aux plus puissants, qui a une théorie de qui échappe à tout contrôle syndical, national, onusien, etc., qui a une théorie de légitimité qui est du pur obscurantisme, mais qui s'entre dans la tête des gens soumis à une méthode de lavage de cerveau formidable, c'est l'idéologie néolibérale qui dit désormais ce n'est plus l'homme le sujet de son histoire parce que l'économie fonctionne selon des lois naturelles. Il y a une instance de régulation unique qui est le marché mondial, et ce sont donc les forces du marché, qui dictent la loi à l'histoire, au destin des peuples. James Robinson, qui était un grand pianiste et l'avant-dernier président de la Banque mondiale, a une phrase qui est très révélatrice, qu'il a répétée souvent, « Stateless global government ». Le but de l'histoire, c'est la gouvernance mondiale sans État, c'est-à-dire l'autorégulation du marché. Et c'est cette idéologie-là qu'il faut briser parce qu'elle nous paralyse. Elle nous paralyse pour le combat. Je dis tout de suite, et j'arrive à la dernière ligne de lui. Il ne s'agit pas de bien ou de mal, il ne s'agit pas de morale. Moi, je déteste la morale, ça ne veut rien dire. Il s'agit d'efficacité. Ou bien ces hommes, ces femmes, ces enfants qui sont détruits par l'ordre cannibale du monde, nous les aidons. Nous allons briser par l'insurrection des consciences cette idéologie meurtrière de la naturalisation du devenir, de l'évaluationnalité économique, où nous ne le faisons pas. Le grand écrivain Georges Pagnanos a dit « Dieu n'a pas d'autre main que les nôtres. » Ou bien c'est nous qui brisons cet ordre cannibale du monde, ou bien ce n'est personne. Il ne s'agit pas, je vais juste encore faire une remarque entre parenthèses, de bien et de mal. Mes collègues de médecins de Sousse, c'est les bons, et puis les cosmocrates, les oligarques du capital financier mondialisé, c'est les mauvais, ce n'est pas ça. Nous sommes confrontés à un système de violence symbolique. Je prends un seul exemple, très rapidement, Nestlé, le 27e entreprise du monde. Premier trust alimentaire du monde, dirigé par Brabeck, un autrichien, très bon skieur, donc je le croise parfois, et quand on attend pour l'été dans la caverne, ben on va se parler, même s'il ne pouvait pas. Brabeck est un homme qui sait lire et écrire, qui est un homme honnête, bien certainement, mais là n'est pas le problème. Sa structure motivationnelle, personnelle, est absolument sans relevance. Parce que s'il n'augmente pas le shareholder value, c'est-à-dire le retour de capital, l'augmentation de la rentabilité de l'action Nestlé sur les marchés du monde de 20 à 25% par an, eh bien, il n'est plus président de Nestlé dans les 3 mois. Même chose pour la Deutsche Bank, pour Sanofi, pour n'importe lequel de ces personnes gigantesques, immortelles, comme disait John Chomsky, ces monstres froids. Il s'agit de encore une fois, d'un système de violence structurelle qui est structurelle et qui n'a rien à voir avec la structure motivationnelle individuelle du cosmocrate en question. J'arrive à la fin. J'ai été pendant longtemps, il y a 200 ans quand j'étais jeune, j'ai été membre du bureau politique, donc du bureau de l'International Socialiste. Enfin, pour vous entendre, François Hollande portait la serviette de Jospin, etc.
Là, enfin, c'était le bon temps. Et le président, pendant 13 ans, de ce temps-là, de l'international, était Willy Brandt. Et à nous, les jeunes, chaque fois où que nous siégions au Japon, n'importe où, ils disaient, quand vous parlez publiquement, analytiquement, empiriquement, les chiffres, statistiquement, tout doit être parfaitement juste. Mais à la fin, il faut de l'espoir. S'il n'y a pas d'espoir à la fin, si quelqu'un quitte la salle sans espoir, vous aurez dû rester à la maison. Alors où est l'espoir face à cet ordre cannibale du monde? Elle est bien sûr dans la nouvelle société civile planétaire qui fonctionne selon un programme de parti, ni une ligne de parti, ni un comité central, etc., etc., qui s'est réuni d'ailleurs à Tunis il y a 4 semaines, le Forum social mondial, une fois par an, ils deviennent visibles. À Tunis, ils étaient plus de 60 000 et 8 000 représentants, 8 000 ONG, etc., etc., via Campesina, partout, sectoriellement, la résistance s'organise. Che Guevara a dit, les murs les plus puissants s'effondrent par des fissures. Marx a écrit à Medvedev, à son ami, le révolutionnaire doit être capable d'entendre pousser l'air. Et partout, ces nouveaux mouvements sont entrés en résistance. L'insurrection des consciences est proche. Je cite, pour terminer, Pablo Neruda, le camarade, ami de Salvador Allende. Et Pablo Neruda, comme vous le savez, a été assassiné par les mêmes assassins qui ont tué Allende 3 semaines après, 3 mois après, de septembre 1973, à Isla Negra, dans sa maison. Et Pablo Neruda a écrit un formidable poème que vous connaissez certainement, le Canto General, l'histoire millénaire des peuples autochtones et ensuite immigrés et ensuite libérés, etc., de l'Amérique latine. Et le Canto General se termine par ce vers: Podem cortar todas las flores, pero jamás detendrán la primavera. Eux, nos ennemis, pourront couper toutes les fleurs, mais jamais ils ne seront les maîtres du printemps. Je vous remercie.